Du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est dégagé, une température extérieure à 7 degrés, une température de l'eau à un bon 13 degrés, une marée qui commence à remonter. Le plein haut est à 13h10 avec des coefficients de 47. Sur ce remontant, le vent est offshore établi à sud-est, un beau fort, des rafales à 2, le plan d'eau est propre. Et on a une houle qui est longue avec 11 secondes de période, orientée très ouest, un tout petit peu ouest-nord-ouest, assez propre, un peu multipique, à la baisse par rapport à hier soir. Pour des séries, là ce matin, les grosses séries sont à 1m30. Série régulière à 1m20, gros 7 à 1m30, entre les séries à 80 cm à 1m. Des vagues au bord qui ferment, et au large qui arrivent à passer un peu plus de gauche que de droite a priori. Quelques personnes au large, des zones de déferlement un peu imprécises, mais dans le tas il y a quelques vagues à attraper au large. Il y a d'autres surfeurs qui se préparent à aller dans l'eau. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va grossir, la boue Arcachon est sur une tendance à la hausse, elle est passée de 1m70 et 6 secondes cette nuit, à 2m07 au petit matin. Donc à 13h, on va jouer dans du 1m20 à 1m50 sur une houle ouest à ouest nord-ouest qui s'allongera à 12 secondes de période avec un vent qui passe est nord-est à la de Beaufort, et à 17h, 1m50, houle ouest à ouest nord-ouest, 12 secondes de période. Mais attention, le vent devrait prendre au nord, peut-être nord-nord-est, peut-être nord-nord-ouest, dans les 2 à 3 Beauforts. Donc le meilleur créneau a priori, c'est en première partie de journée. Prochain point, 11h30, à tout à l'heure, merci.